Bonjour, c'est Licat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate pour une partie de top 10 en famille avec tout le monde. Bonsoir. On est parti, on a pris 5 cartes vu qu'on est 5 joueurs, 5 jetons. Il faut qu'on essaye de faire le moins de caca possible, de mauvaises réponses. Ouais, vous allez voir, vous avez vu dans la présentation du jeu le principe, donc on est parti. Je distribue d'abord. Tu dis bien les cartes cette fois. Oui. Alors, en claquant des doigts, là, tout de suite, vous pouvez faire pleuvoir quelque chose. Que choisissez-vous du pire au plus sympa? Donc, quand c'est moi qui commence. Pire, ça part de 1. Ça, le 1, c'est le pire. Et le 10, c'est le mieux, le plus sympa. Donc, de la lave. Sympa. Ouais. Le plus gros chiffre, ça sera le sympa. Ça dépend parce que... Allez. Jette-toi. Allez. Des oreillers. Okay. Non, de l'or. De l'or. De l'eau froide. Ok. Des nuggets. Ah, ok. Un puzzle de Friends. Oh. Oh, alors là. Bon, en tout cas, je pense que ma lave, c'est une des choses les pires. Alors ensuite, on avait. De l'or. De l'eau froide. Je vais prendre de l'eau froide. Ok. Ensuite, donc, on a de l'or, on a des nuggets et on a... Le puzzle de Friends, mais tu sais pour... Qu'est-ce que ça représente ? Oh là là. Eh oui, c'est ça qui est embêtant. À mon avis, les trois, elles doivent être vachement serrées, là. C'est pas possible. Sinon, j'aurais dit les... Parce que 5, normalement, c'est quelque chose de neutre. Donc, il faut pas, après, essayer de faire par rapport aux autres. Il faut surtout faire par rapport à son numéro. Peut-être que ça a été un petit peu oublié, ça. Je vais dire des nuggets. Quoi, mais Suzanne? Mais les nuggets, c'est la vie. Bon, oui, mais non. Bah si. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Du coup, je pense que je vais avoir au moins un caca. Alors, si dit toi, tu devais être avant. L'or, ça devait être avant le 9, voilà. Et le top de Friends, c'est pareil, c'est le top 1. C'est ton top 1, ça! Tu ne mets pas en 7! Deux caca! C'est pas mon top 1 des puzzles! Ne dis pas Friends alors! Mais, du moment qu'il y a Friends, t'en peux plus! Pas du tout, sinon j'aurais dit les acteurs de Friends. On en a un par mauvaise réponse. Regarde, si je dis Ross, tu vas pleurer. C'est pas dans la merde. Hein. Deux caca, premier tour, bravo! Donc, je répète le principe, ce n'est pas par rapport à. C'est goût personnel. Et ce n'est pas par rapport à ce qu'on dit les autres, c'est par rapport à un classement. Donc il faut essayer de se dire. Après, il y avait 7, ah, si quand même 7 9 par et 10. Aux autres, oui. On a deux caca à la course. Oui, c'est très mais bien par exemple, un puzzle de Friends pour de, des gens. Personnel. Voilà. Mais de la lave, c'est, eh ben, c'est le pire. Oui, ben justement. Oui, voilà. Donc c'est par rapport à toi. C'est le but. Oui, mais c'est par rapport aux autres qu'il faut donner quelque chose. Mais c'est. Tu si t'es tu... déjà fait pleuvoir de la mais lave justement. Dessus, c'est le pire pour tout le monde. Mais juste... Ben voilà. Il y a pire encore. Que la lave. Oui. Quoi de la lave en écoutant Jules. Des bombes nucléaires. Des Tchernobyl partout. Allez, c'est toi qui distribue et tu vas choisir. Ouais, il faut qu'on se rattrape là, sinon on va faire de la merde. Hein. C'est le cas de le dire. On le répétera jamais assez. Là, la carte. Ouais. Alors, on évite les mimes, on bien sûr. On voit pas les têtes. Vous avez créé un médicament révolutionnaire pour être toujours en bonne santé. Cependant, il a un effet secondaire, lequel de pas très grave à gros problème. Donc, le 1, c'est pas très grave, et le gros problème, c'est le 10. C'est toi qui vas commencer. Très très gros problème. Bah, pas très grave, on va dire le moins pire jusqu'au. Oui, non, mais le 10, plus terrible. Très, très, oui, voilà. Oui, au terrible, quoi. Alors,
En se basant sur le fait que 5, ça peut être neutre, on va dire. Sans aucun effet, on va dire, pour essayer de... Non, mais il faut choisir un effet secondaire obligatoirement. Oui, mais tu peux essayer... Tu peux pas dire sans effet. Ben, le pas très grave, ça peut être même bien, on va dire. Pas très grave. Ouais, pas très grave, allez. Ouais. Pas très grave, c'est assez négatif. Ouais, là, c'est assez négatif, quand même. Alors, ben, je sais pas, ouais, bon, je dis rien. C'était quoi, moi? Ah, ok. En bonne santé, mais tu meurs dans les 3 mois. Ah, d'accord. Ok. Je suis quoi, moi, après ça? Bon, on s'en fout, c'est à madame de deviner dans quel se met dans le caca, c'est pas de la dire. C'est pas très grave, un gros problème, c'est ça? Perds tes cheveux. Mmh. Non, mais je voulais dire un truc drôle, mais du coup. Bah. Tu rigoles pendant un jour. Mmh. Oula, oula. Un jour t'es constipé et un jour t'as la diarrhée. Ok, c'est maman qui doit trouver. Là, je pense qu'il va y avoir. On est mort là, moi je vous le dis. Alors, et moi je vais dire. Ah, mais c'est. Ouais, c'était pas évident là, je vous le dis moi. C'est ça qui est drôle. T'as dit. Perds ses cheveux. Tu perds tes. Comment on va classer la constipation hein? Et toi, t'avais dit, tu meurs dans les 3 mois. 3 mois, waouh. Tant pis, je veux dire, tu perds tes dents. Ah d'accord, pourquoi pas. C'était quoi toi, Suzanne? Tu ris pendant une journée. Voilà. C'est toi le moins pire. Gab, c'était quoi toi? Marianne. Perte de cheveux. Oh oui. Là. Ah oui, mais non, perte les cheveux, c'est moi. T'as été ouais. Là, bah, c'est, les cheveux après. C'est le jour de diarrhée. Les dents. Non. Ah, mais t'es sérieux? Le dents, c'est plus mais important. C'est horrible, bah, je pensais que c'était lui le moins grave, en fait, pour moi. Bah non. Ah si, c'est... Pour moi, cheveux, c'est plus... Horrible. Eh ben, pour moi, je pensais que t'avais un ou deux, du coup, parce que c'était que non, dalle de perdre ses cheveux. Non, mais c'est des hommes, ils sont chauves, là. Ouais. Oui, bon, bah moi, du coup, on a 2 erreurs. Hein. Oh là 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 là. Non, mais oui, j'aurais dû mettre quoi avant, mais toi, j'aurais jamais dit. Ouais, c'était compliqué parce que pour moi, perdre ses cheveux, c'était pas du tout grave par rapport et à bah, ce qui pouvait t'arriver. Et bah 4, ça va. Oui. Perdre ses cheveux, c'est horrible, je suis désolée. Oui, et bah, perdre 3, j'étais dents. Pas loin, moi. Perdre ses cheveux, c'est chiant, mais pas on trop. On était proches l'un de l'autre, en fait. Non, mais toi, t'es un mec, tu peux devenir ça dépend, si t'es vieux, de toute façon, t'en fous, tu te fais mettre un appareil, et puis voilà. Bon, après, je me suis trompée entre Marianne et Gab. Mais pour moi, je pensais qu'il avait un ou deux, lui, tu vois. Après, c'est compliqué. Hein. Oui, là, c'était compliqué à doser. Allez, attends, on n'a plus qu'une chance. C'est juste vous qui êtes nuls. Hein. Ouais, on est nuls. T'as mélangé déjà 10 nuggets, ouais. Bah, les nuggets, c'est trop bien. Oui, mais pour toi. Genre, vous aimez pas les nuggets. Oui, mais on va pas les classer dans le... Mais après, l'or, c'est bien, mais quand tu prends ça sur la tronche, c'est pas trop... C'est pour ça que j'avais dit des oreillers d'un départ. Ouais, puis c'est en plus, moelleux. Tout le monde en a, ça sert à rien. C'est une pleu de l'or. Tout le monde en a? Oui, si tu fais pleuvoir de l'or, et à tous ceux qui en ont, ça sert à rien. Si tout le monde est heureux. Ouais, enfin, l'argent ne fait pas le bonheur, ma chérie. Oui, il est contribué fortement. Oui, je sais. Il n'y a que les riches qui disent ça. Oh non. Pourquoi t'es rigole? Vous voilà enfin dictateur suprême. Levez-vous et complétez votre discours d'investiture. Cher peuple, ma première mesure sera de très gentil à très méchant. Ok, donc c'est toi qui commence. Dommage que j'ai pas. Faut se lever. Quoi? Faut se lever. Non. Oh, pas se lever. Oh, ouais.
Alors, c'est pas facile, hein, du coup. Donc, cher peuple, ma première mesure sera de très gentil à très méchant. Réduire les impôts, mais un petit peu. Ok. Que vous ayez pas d'enfants. Oula. D'essayer de rendre tout le monde heureux. Et dans l'égalité et la... Bonne humeur. Voilà. C'est beau. Et interdire les concombres. Et les concombres. N'importe quoi. Il y en a qui vont être malheureux. C'est méchant, ça. Pas du tout. Moi aussi. Alors, Quoi ? Ah, c'est compliqué, là. Maman ! Quoi ? De très gentil à très méchant. Je vais dire. Très profond. Ouais, j'essaie de trouver quelque chose, mais c'est bizarre, je sais pas pourquoi il y a Jules qui me met en tête encore. J'espère qu'elle regarde après celui des gens. Très, très gentil, très méchant. Je vais dire, tout le monde est obligé de circuler en vélo à partir de maintenant. C'est cool, ça, ça va, ouais. Tu verras quand tu devras faire des kilomètres et des kilomètres. Mais bon, voilà, je pense que c'est assez dosé, madame. Ma première mesure sera de ne pas prendre de mesures. Okay. Non, c'est pas possible. Non, mais faut que tu en prennes une. Mais non. Si. Ouais. Justement. Les gens qui contournent les questions comme ça. Non, elle a, à mon avis, elle a bien répondu là. Allez hop, Gab, à toi de deviner. La plus gentille de toutes celles qui a été dites. Deux. Ouais. Toi, t'avais dit quoi, toi? De ne pas avoir d'enfant. Ah. Maman. Entre nous deux, entre être obligé de prendre le vélo papa. Et ne pas avoir un enfant. Ouh, pourtant, 5, 6, 7, là, on s'est bien débrouillé. Je suis juste trop fort, en fait. Oh, on a eu un petit tour de répit, là. C'est à moi. Bon, là, quoi qu'il arrive, que... même si on devait pas remporter... Après, ça dépend, hein. Pas avoir de gosses... Tiens, il faut distribuer ça. Il faut mélanger d'abord. Ouais, il y en a qui seraient contents, mais bon. Voilà. Hop. Non, mais c'est méchant, quand même. C'est méchant, t'as plus le choix après. Tiens, okay, faut alors, distribuer ça. Je vais prendre un truc facile, you know. Hop là, quoi? Il y en a qui sont. Mais pas qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette distribution? Attends. Ah. Mais tranquille. Mais oui, mais par là. En fait. Alors, ok. Alors. Alors. Choisissez un personnage de Disney pour le capitaine. De celui qui ne lui va pas du tout à celui qui lui convient le mieux. Hein? Ah ouais, il faut qu'on lui choisisse un personnage de Disney. Comment? Celui qui lui va le mieux ou pas du tout. J'ai déjà. Donc c'est celui qu'on croit vraiment qui correspond à celui qui est complètement à l'opposé. Un personnage de Disney. Donc tu commences par toi. Non, c'est de celui qui lui va le moins bien à celui qui lui va le mieux. Ah, fais voir. Rodi, oui, oui. Chaque fois que pas plus celui qui ne lui va pas du tout, ah, celui oui. qui ne lui convient le mieux. D'accord, pardon. Je suis pas d'accord là. Alors. Alors. Tu te souviens de ton numéro? Oui. Donc, s'il y en a qui ont des extrêmes, choisissez des extrêmes. Hein. Oui. Vous gênez pas. Allez, mais il y a qui comme extrême hein? Ah bah après si tu sais pas trop on prend une autre question parce non, que sinon non, non mais c'est trop drôle. Ah ouais bah faut trouver c'est quoi. C'est compliqué alors, on va chuter. Alors on va faire de la merde. C'est ce que vous allez dire hein, je suis...
Au revoir, gentille petite licorne. Regarde comment tu vas finir. Bon, allez, Suzanne. Attends, je suis presque. Je me fais un revue les méchants. Là. Allez. Ça peut être un méchant comme un gentil. Oui, je sais. De toute façon, t'es dans le caca, c'est toi qui dois deviner un peu. Mais je sais plus comment. Ursula ? D'accord. Celle de la petite sirène, la méchante de la petite sirène. Non, c'est ses compagnons, là. Hein ? Hein ? Ah, les petites anguilles ? Non, c'est des murènes, je crois. Ah, voilà. Bourriquet. Ok. Ouais, Winnie l'ourson. Ça ne va pas du tout, du coup. Oui, Claire Bourriquet. J'avoue, le maigre Ah. Bon, on va continuer, hein, Coco Lapin. Oh, punaise. Ouais, mais pour le classer, on est mal barré, quoi. Bah non, pas vraiment. Coco Lapin, il est de plus celui chiant. Celui qui le va le moins bien, celui qui va le mieux. Hein. Ouais. Mmh. C'est pas facile. Tu sens que tu vas être méchante, hein. Je sais pas pourquoi. Non, mais. Ah. Bah, Bourriquet déjà. Mais il est gentil, Bourriquet. Ouais, il est gentil, Bourriquet. Il est tout mou. Il est juste grognon. Ouais. Et déprimant. Avec lui. Bah, alors, ta couche. Colère. Dans Vice Versa. D'accord. Oh, c'est mignon. Uh-oh. Alors. Donc c'est du qui lui correspond pas du tout au. Oui. Ouais, on est d'accord. Donc. Ok. Toi, t'avais dit Winnie l'ourson. Ouais. On peut, tu peux regarder ta carte hein, au passage. Oui, je sais, mais je me souviens de ma carte. Oui, mais pas nous. T'es sûr que tu l'as regardé à l'endroit. Hein? T'es sûr que tu l'as regardé à l'endroit. Bah, y a pas 36 000 signes. Enfin, de sens, je veux dire. Après, c'est dur à classer, quoi. Let me think. Bah, je dirais moi. Ça ouais. Part bien. Là, ça va être compliqué, là. Mais depuis quand je ressemble à Winnie l'ourson? Au niveau du poids, il y a un... T'es méchante. T'avais dit Coco Lapin? Oui. Bah, toi. Ah, on a fait caca. Bon, on finit le tour du coup. C'est mon ventre. Tu ressembles à une murène de Ursula ? Non, elle ressemble mais pas, non, pas du tout. Du pire au... Oui. Du pire au mieux. Ah oui, bah moi c'était moyen, Coco Lapin. Bah moi aussi, hein. C'est pour ça, on a mais les oui, deux. Mais oui, Winnie l'ourson, c'est, un... Eh bah, c'est bah, bon, c'est un peu plus gentil que... Mais depuis quand je ressemble à Winnie l'ourson, moi bah, ah oui, c'est ça. Oui, dans un moment donc, et moi, on l'a mieux classé. Voilà. Hein. C'est du moins bien ou il est pire. Il est mieux Winnie l'ourson que Coco Lapin. Coco Lapin, il est chiant, il est tout fou. Oui, donc elle ressemble plus à Coco Lapin qu'à Winnie l'ourson. Eh ben c'est ça. Ah non. Bah non. Mais non. Bah moi. Ah, t'as rangé ta sœur. Bon, après, il reste ton frère et Marianne, là. Alors, Bourriquet et Colère. Bah, les deux, c'est pas... Je dirais Bourriquet. Et Colère. Non. Mais genre... Ah, ouais, après c'était difficile à classer ce genre de choses. Voilà, après en dernière question, bon, en sachant qu'on n'a pas pris les mimes, par exemple, on aurait pu mimer une envie de faire pipi de la moins pressante à la plus pressante. Mimez, levez-vous et servez un grand cru à l'un des joueurs du service très maladroit au service classe 3 étoiles. Donc il y a plein de trucs sympas, il y a même des bruits, des fois on peut faire des bruits, donc voilà. C'est pas mal. Après, on n'a pas choisi des trucs faciles. Hein. Les personnages de Disney, c'était pas le plus évident. Voilà pour cette partie. Si ça vous a plu, des pouces levés. Des pouces levés. À bientôt. Goodbye. Ah, tu parlais pas.